Salut mes amis et bienvenue à la maison. Parlons peu, parlons bien, parlons pâtes. Pâtes fraîches maison. Élément principal sera les farines. 200 g de farine blanche tout usage. 200 g de farine de semoule fine, du rhum. Troisième moyen, sel, huile d'olive. Et pour la finale, il y aura sauce tomate maison, fromage parmesan, ail. Et j'ai gardé un excédent des deux farines mélangées comme ça pour le travail. On verra plus tard. Les petits couteaux aujourd'hui seront ici pour regarder. Première étape, farine dans le bol, 200 g comme ça. Farine de semoule, 200 g et voilà. Bol monte. Les deux farines, je mélange comme ça. Machine arrête. Œuf, 3, casse comme ça. Coquille à la plonge. Fourchette, je bats. Sel, environ 8 cuillerées à soupe. Et je bats. Huile d'olive, une larme. Terminé. Les farines mélangées forment une fontaine. Les œufs incorporent comme ça. Et on mélange. Doucement. La pâte est un peu trop sèche à mon goût. Ajoute un peu d'eau. Comme ça. Je refais les bords comme ça. On continue. La consistance est impeccable, légèrement élastique. Bol descend. Je farine mes doigts, comme ça. La table, je la fleure, comme ça. La pâte revient table. Pétri comme ça. Un peu de farine. Le tout bien amalgamé comme ça. La pâte, je la réserve. Elle va reposer une heure. Après une heure, ma pâte a reposé. Table, fleur, comme ça. La pâte, table. Farine un peu comme ça. Avec un boudin. Corne, coupe, pâton. 1, 2, 3, 4 et 5. Boule. Je réserve. Table fleur, rouleau, on écrase. Réserve. Et le dernier, terminé. Farine un peu comme ça. Laminoir, pâton, insère. Doucement. Super. Fleur. Tourne. Les deux réserves. Bien écrasé comme ça. Pâte laminoire. Farine. Tourne. Les deux réserves. Et une dernière. Et on fleure. Opération terminée. Plie 4, réserve. Maintenant, on coupe. Je n'ai pas l'option sur la machine pour les linguini ou les fettuccini, donc je fais ça au couteau, comme ça. On réserve. Et une dernière, comme ça. Terminé. Et on réserve. Nous parlons de cuisson à l'eau. Eau, allume, sel. Attendons que l'eau boue. L'eau salée boue, huile d'olive, une larme, comme ça. Pâte, insère. Et je mélange. Nous en avons pour 5 minutes. C'est cuit. Feu éteint. Les pâtes, je les égoutte. Et voilà. On secoue un peu. Les pâtes dans le bol, comme ça. Huile d'olive, comme ça. Et je roule. Les pâtes, je ne les refroidis pas à l'eau. Pâtes dans le plat. Et on les fait refroidir à leur rythme. Maintenant, nous sommes en phase terminale. Poêle allume, comme ça. Huile d'olive, une larme, comme ça. Et on laisse chauffer. Ail haché, comme ça. Légère coloration. Sauce tomate maison.
comme ça. Regarde là. Poivre. Maintenant les pâtes. Regarde là. Fromage parmesan. Tourne et retourne. Une autre cuillère. Terminé, feu éteint. Assiette. Parmesan en extra, comme ça. Décoration personnelle, feuilles de basilic du jardin, comme ça. Maître hôtel, les pâtes de la table 55 sont prêtes, on enlève. Et merci à vous qui me regardez en Italie et partout ailleurs. Salut, bye. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé et si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ici. Nous avons maintenant une page Facebook que vous pouvez suivre dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière, elle est ici.